Film information patient, élévation du plancher sinusien, hausse insuffisant pour la pose d'implant dans la zone des dents du fond. Lorsque les dents du fond sont manquantes depuis assez longtemps, mais doivent être remplacées, les implants ne disposent pas d'une hauteur osseuse suffisante et le plancher du sinus maxillaire doit être soulevé. La réussite de l'implantation exige un support osseux beaucoup plus important. Pour créer l'os manquant, il faut d'abord faire une incision latérale pour avoir accès au sinus maxillaire. La fragile paroi interne du sinus maxillaire, appelée muqueuse sinusienne, est décollée de l'os. L'utilisation d'une membrane protectrice éprouvée comme Geistlich BioGuide peut se révéler nécessaire. La structure naturelle de Geistlich BioGuide favorise la cicatrisation de la plaie et une bonne régénération osseuse. Elle est résorbée naturellement par l'organisme après quelques semaines. Le plancher du sinus est augmenté à l'aide d'un substitut osseux éprouvé comme Geistlich BioOs. L'incision latérale est protégée par une autre membrane, Geistlich BioGuide. Enfin, un ou plusieurs implants sont posés. La structure naturelle de Geistlich BioOs sert de matrice à l'os néoformé. Après 4 à 6 mois, Geistlich BioOs est indissociable de l'os nouvellement formé et il participe alors au processus naturel de remodelage osseux. L'implant est ancré dans l'os de la mâchoire, tout comme une dent naturelle, pour une fixation solide dans le temps. Grâce à l'élévation du plancher sinusien, les implants et les couronnes solidement ancrées remplissent leur fonction de dents artificielles à l'apparence naturelle. Les produits de régénération tissulaire, Geistlich BioGuide et Geistlich BioOs, sont les plus utilisés au monde en dentisterie. Ils s'appuient sur des preuves scientifiques rapportées par plusieurs centaines d'études et ont déjà été utilisés chez plus de 4 millions de patients. Geistlich Biomaterials vous souhaite de bénéficier d'une régénération réussie pour retrouver un sourire radieux et naturel.